Bienvenue à une émission en français avec une brève introduction en néerlandais. Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Jean-Louis Tumerel organiseert een baltrap. Het is een wedstrijd kleiduifschieten waarop de leden van zijn jagersvereniging oefenen in aanloop van het jachtseizoen. Het is een amateurwedstrijd waar natuurlijk alle veiligheidsvoorschriften van kracht zijn, maar waar je wel gewoon een wapen kan lenen, munitie kopen en meeschieten. Op heel wat lokale baltraps in het noorden van Frankrijk zijn er geen drempels om deel te nemen. Bonjour, alors ici c'est Jean-Louis Tumerel, président de la société de chasse des Trues. On est 22 chasseurs et on organise un baltrap. Alors un baltrap c'est casser des plateaux, hein, c'est tout bêtement. Et donc premièrement c'est tous des passionnés de chasse en général. Enfin bon, il y a aussi des passionnés de tir, quoi, enfin de tir sportif, hein, je veux dire. Et donc on organise un baltrap parce que ça va bientôt être l'ouverture de la chasse, donc les gens ils aiment bien s'entraîner avant l'ouverture. Alors, le but du baltrap, c'est de casser des plateaux. Alors, ça s'organise comme ça. On met 6 fusils, enfin, il y a 6 tireurs. Alors, ils misent 6 euros, enfin, bon, ça dépend, mais nous, c'est 6 euros. 10 plateaux, on tire chacun 10 plateaux. Et celui qui casse le plus de plateaux, il gagne une boîte de cartouches ici. Hein. Alors, déjà, quand tu casses au premier coup, c'est 2 points. Quand tu casses au deuxième coup, c'est 1 point. Et si tu casses pas, c'est 0. Quoi. Donc, voilà. Et en principe, les tireurs, ils changent de poste à chaque... Après chaque tir, ils changent de poste. Et puis voilà, c'est tout simple. Hein, Et après, bon là on est sur une tourelle, on appelle une tourelle. Alors le plateau part derrière le tireur, il ne voit pas le plateau arriver. Hein. Après il y a un autre stand de tir qui est là, et là c'est le plateau part devant. Et bon, après quand le tireur est prêt à tirer, normalement il dit poule. Donc le plateau il part. Hein, y a un gars qui déclenche avec un système électrique, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Et puis bon, après, bah, c'est la convivialité. Hein, c'est bon, y a pas, bon, nous premièrement ici, il n'y a pas d'alcool parce qu'il y a des armes à feu. Hein, y a beaucoup de sécurité. Et puis voilà, c'est le plaisir, quoi. Quand il y a un qui manque son tir, bah, on le charrie, quoi. Voilà. Si quelqu'un veut commencer, premièrement, il n'y a pas besoin de rien du tout. Il suffit d'avoir un fusil, même pas un fusil. Hein, il suffit qu'un copain lui prête un fusil, puis c'est tout. Hein, il vient ici, il achète une boîte de cartouches, il tire, et puis voilà, c'est tout. Hein, c'est pas plus. Après, il y a aussi dans les grands, comme ici, c'est un stand de tir amateur. Il y a aussi des stands de tir professionnels, enfin oui, ce qu'on peut appeler professionnels. Et là, c'est... Là, il faut une licence de tir. Tandis qu'ici, nous, on n'a pas besoin de rien du tout. À la limite, il suffit de savoir tenir un fusil, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce qu'il y a de plus difficile, ben, c'est de ce qu'on appelle le tir, quoi. Il faut devancer le plateau pour que le plomb croise le plateau, quoi, c'est tout, quoi. C'est comme à la chasse, hein. C'est exactement pareil, mais non, il y a rien de difficile, l'expérience vient au fur et à mesure qu'on apprend, quoi, enfin qu'on tire, quoi. Plus on tire, mieux on tire. C'est ça. Ceux qui tirent beaucoup, ils ont quand même des fusils spéciaux qui résistent beaucoup plus au choc. Parce que quand vous tirez, allez, comme là, ici, les gars, ils vont tirer 10 plateaux. Bon, ils vont tirer 15 cartouches, bon, c'est bon, mais quand vous tirez 200, 300 ou 400 cartouches en une journée, le canon, il est chaud. Hein. Alors, donc, c'est des fusils
qui résistent bien au choc, quoi. C'est quand même des... Et donc, en général, les fusils de trappe, ils appellent ça des fusils de trappe, c'est des fusils qui sont très lourds, parce que... ils sont lourds parce que il y a beaucoup de ferraille, quoi. Les canons sont beaucoup plus gros que les autres. Pas la dimension de la cartouche, hein, mais il est très résistant à la chaleur, quoi. Le plaisir, c'est de casser le plateau, quoi. C'est d'être dans le mille, quoi, comme on dit, hein. C'est comme à la chasse, on tue ou on manque, quoi. Et là, c'est exactement pareil, quoi. Mais voilà. Tout, comme ici, c'est être dans le mille, hein. C'est le plateau, il part, il faut le casser, quoi. Voilà, c'est tout.